Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'air génitif. En français, on dit le génitif. Nous avons déjà vu accusatif et datif. Aujourd'hui, on va voir le génitif, ce qu'on appelle en allemand der génitif. On donne une définition. C'est quoi le génitif? Est un cas grammatical utilisé pour marquer un complément du nom. Il exprime notamment la position dans de nombreuses langues. Donc, en bref, le génitif exprime la position. On va voir des exemples dans cette leçon. Par exemple, le masculin der devient des. Der devient des. Par exemple, das Buch, le livre, et der Lehrer, le professeur. On peut écrire Das Buch von dem Lehrer en utilisant le datif. Donc, on utilise la préposition von. On avait déjà vu les prépositions la semaine dernière. Je vous laisse le lien dans la description de cette leçon. Le livre dit professeur. Mais, je vous conseille d'utiliser le génitif. Donc, c'est mieux d'utiliser le génitif que d'utiliser le datif. Et donc, devient Das Buch des Lehrers. Das Buch des Lehrers. Le livre dit professeur. Donc, les deux écritures sont correctes. Mais le mieux, c'est d'utiliser le génitif. La dernière phrase. Das Buch des Lehrers. Ça montre que vous avez un niveau élevé en allemand. Si vous utilisez le génitif, ça montre que vous avez un bon niveau en allemand. On va voir d'autres exemples. Par exemple, pour le féminin, die devient der. Die devient der. Donc, on a vu pour le masculin, der devient des. Pour le féminin, die devient der. On va voir un exemple. Das Buch, le livre. Die Lehrerin, la professeure. Et donc, si on utilise le datif, en utilisant bien sûr la préposition von, devient Das Buch von dem Lehrerin. Le livre de la professeure. Et si on utilise le génitif, la phrase devient Das Buch der Lehrerin. Das Buch der Lehrerin. Donc, on dit die Lehrerin, die devient der. Le livre de la professeure. En français, ça ne change pas. Ça reste tel qu'il est, la phrase. Mais en allemand, ça change. Le neutre. Le neutre, c'est comme le masculin. Das devient des. On donne un exemple. Das Buch, le livre. Das Kind. Donc, on utilise toujours des articles définis. L'enfant. Das Kind.
l'enfant. Et donc, en utilisant l'audatif, das Buch von dem Kind. Das Buch von dem Kind. Le livre de l'enfant. Le livre de l'enfant. Et si on utilise le génitif, la phrase devient Das Buch des Kindes. Das Buch des Kindes. Le livre de l'enfant. Et pour le pluriel, die devient der. Donc le pluriel, c'est comme le féminin. Die devient der. On va voir le même exemple. Das Buch, le livre. Die Kinder, les enfants. On emploie toujours les articles définis. Das Buch der Kinder. Si on utilise le génitif, la phrase devient Das Buch der Kinder. Donc, die devient der. Le livre des enfants. Mais si on utilise le datif, la phrase devient Das Buch von den Kindern. Das Buch von den Kindern. Et on va voir les articles indéfinis. Ein et einer. Par exemple, pour le masculin, ein devient eines. On donne un exemple. Das Buch, le livre. Ein Lehrer. En français, on dit un professeur. Pour les articles indéfinis, on utilise un. Un professeur, un professeur. Das Buch eines Lehrers. Das Buch eines Lehrers. Le livre d'un professeur. En français, on dit le livre d'un professeur. Donc, on ne définit pas le professeur. Donc, on utilise un article indéfini. Pour le féminin, eine devient eine. Das Buch, le livre, eine Lehrerin, un professeur, das Buch, eine Lehrerin, das Buch, eine Lehrerin, donc eine devient eine Lehrerin, le livre d'un professeur. Et pour le neutre, ein devient eins. Ein devient eins. On donne un exemple. Das Buch, le livre. Ein Kind, un enfant. Das Buch eines Kindes. Das Buch eines Kindes. Donc, ein devient eins. Le livre d'un enfant. Et pour les adjectifs possessifs, on va voir tout de suite des exemples. Les adjectifs possessifs sont mein en allemand, mein, dein, sein, ihr, unser, ua, ia. Beispiele. Et on va voir des exemples. Le premier exemple,
Das Auto meines Mannes ist schnell. La voiture de mon mari est rapide. Das Haus unseres Vaters steht in Marokko. La maison de notre père se trouve au Maroc. Das Haus meiner Mutter ist groß. Das Haus meiner Mutter ist groß. La maison de ma mère est grande. La maison de ma mère est grande. Die Schuhe der Frau sind schön. Donc on a écrit sind, on a pas écrit ist parce que die Schuhe c'est au pluriel, les chaussures. Les chaussures de la femme sont belles. Donc, die Schuhe der Frau sind schön. Et la dernière phrase. Wo ist der Eingang der Schule? Wo ist der Eingang der Schule? Où est l'entrée de l'école? Merci et au revoir.